Ça va, ça vient, ça vient, ça vient. Prochain Tomorrowland, ce sera à nouveau sur deux week-ends, les 20, 21 et 22 et 27, 28 et 29 juillet 2018. Ok, ça frappe. Et il semble que le thème tournera autour de la mer et des fonds marins. L'édition portera comme nom The Story of Planaxis. On parle également de l'EMF qui a trouvé ses dates. Ce sera les 12, 13 et 14 juillet prochains. L'Amsterdam Dance Event 2017 a flingué ses records de fréquentation. Son record, 395 000 personnes se sont rendues à Amsterdam pour célébrer la musique électronique et son business. Parmi elles, pas moins de 7200 représentants de l'industrie, agents, artistes, organisateurs, managers, etc. A noter que cette année, le Maroc et la Chine étaient les pays à l'honneur, avec chacun un pavillon dédié. Adam K and Soha sont de retour. Yay! Comment? Avec un remaster de leur légendaire tube Twilight. Pour ceux qui connaissent pas ce duo, Adam K and Soha sont deux Canadiens qui ont percé sur la scène progressive entre 2005 et 2010. En tout cas, on est ravis, vous êtes ravis, tout le monde est ravi. Twilight, version 2017. B2S, B2S, B2S dévoile la line-up de la prochaine Hardbase qui se déroulera le 27 janvier prochain. Line-up sans trop de prise de risque, mais qui risque de faire passer un bon moment Destroy aux futurs 27 000 partygoers. Avec entre autres Koon, Wild Styles, Spirit of Hardstyle, tous seront répartis en teams de couleurs qui prendront les commandes de la soirée à des moments différents et l'ambiance et le style changeront donc en fonction. Robinson se dote d'un nouvel alias, Virtual Self, annoncé sur son Twitter, et il accompagne ça par un premier titre, affublé d'un clip vidéo. Un style hands up assez cheesy dans les mélodies, mais on sent bien la patte de Porter Robinson sur l'ensemble, ainsi que son amour pour le Japon, le happy hardcore. Le clip est d'ailleurs assez équivoque, et donne des indices sur des profils sociaux assez mystérieux. Affaire à suivre. Top Fucking 3. Troisième, c'est le portugais Pete K avec son track Solace, issu de son EP From the Outset. Très progressive et très planant. Deuxième, c'est un habitué du top, c'est le jeune prodige Clar, qui remixe Axwell and Ingrosso, How Do You Feel Right Now? Un truc monstrueux aux saveurs trap, tempo lent et putain de puissant. Superbe collab entre Seven Lions et Kill The Noise en première place. Ça s'appelle Cold Hearted, une sublime mélodique dubstep alliant parfaitement les univers des deux artistes. Voilà les gens, c'est fini pour cette fois. Flippez pas trop avec Halloween cette semaine, tout ira bien. Si vous savez pas quoi foutre, offrez-moi un iMac Pro ou au pire, une Ableton Push 2 pour mon anniversaire mercredi. Et oubliez pas d'aller mater guetapan.com. Merci, bonsoir.